Bonjour et bienvenue à Aventure Nord. Ce soir, on va partir à la découverte du majestueux fjord du Saguenay. Pour y arriver, rien de mieux que de naviguer en plein cœur du fjord à Sacré-Cœur. Et je vous le dis d'entrée de jeu, avec la température, le paysage et le coucher de soleil, ça va être magique. Été comme hiver, la ferme 5 étoiles propose une gamme variée d'expériences en un seul et même endroit. À 2h30 de route de Baie-Comeau, la ferme 5 étoiles est un incontournable sur la côte nord et séduit aussi la clientèle internationale. Roxane et l'équipe d'Aventure Nord sont allées à sa découverte. La ferme 5 étoiles, racontez-moi d'abord, là, ça a commencé comment? Bien, en fait, c'est au début, c'est mon beau-père, Claude Dechaine, qui était là, avec ses enfants, qui avait la maison familiale. Puis, mon beau-père, qui avait un travail à l'extérieur, mais qui avait quand même des animaux ici à la ferme. Il a commencé à accueillir des gens au rite de faire un rite du passant, tout en faisant faire le soin des animaux le matin. Quel genre d'animaux qu'on retrouvait à ce moment-là sur place? Bien, à l'époque, c'était des poules, des vaches. C'était pas diversifié autant qu'aujourd'hui. Puis, dans le fond, à partir de ce moment-là, c'était une histoire aussi de famille. Là. Donc là, ça a été un peu le début là, de toute une belle histoire qui est la ferme 5 étoiles. Effectivement, ma conjointe Stéphanie, qui, elle, a été étudiée à Chicoutimi en administration, mon beau-frère Jimmy, qui était passionné des animaux, moi, qui est arrivé également le volet plus activité, kayak de mer, quad, motoneige, chien de traîneau. Fait que c'est ça. Puis, même aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est nos enfants qui travaillent avec nous. Qu'est-ce qui est le cœur de l'entreprise? C'est nos animaux. Et mon beau-père, à l'époque, quand il a eu le premier animal sauvage, qui était un loup, ça nous a exigé d'avoir notre certificat d'autorisation de la faune du Québec. Ça, c'était un permis qui nous permet d'avoir toutes sortes d'animaux, comme tu disais tout à l'heure, le lynx, le cougar, puis plein d'animaux exotiques. Puis on reçoit aussi, via les agents de la faune, au printemps, des petits orignaux, des bêtes qui, dans le fond, qui ont perdu leur mère, qui a été frappée, plein d'histoires. Fait qu'on les récupère, puis on les garde avec nous, puis on les met dans une belle grande enclos qui a eu une super de belle vie. Donc, il y a aussi là, un volet un peu refuge, si on veut. Oui, on a un volet refuge. On refuse à peu près rien parce que pour nous autres, c'est important. Puis ça fait partie de notre mission aussi de sauver ces petites bêtes-là qu'on a la chance d'avoir. Vous êtes un petit peu un zoo, si on veut, un refuge. Il y a aussi toutes les autres activités. Comment vous vous distinguez là, dans l'offre touristique? Bien, on se dit une ferme agro-récréo. Touristique. Okay. L'agriculture, le récréatif, les animaux et l'hébergement, le niveau touristique. Donc là, Yannick, si j'ai bien compris, ce qui distingue la ferme 5 étoiles, c'est surtout son offre de service, le fait qu'il y a des activités pendant les 4 saisons. Justement, l'été, qu'est-ce qu'on peut faire par une belle journée là, ensoleillée comme aujourd'hui? Bien, une des activités qui est populaire, c'est le kayak de mer. Le kayak de mer, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a adapté pour les familles parce qu'on fait une belle initiation coucher de soleil le soir parce que dans le fjord, c'est un des endroits qui a le plus beau coucher de soleil au Québec, je dirais. Après ça, on a des demi-journées, des journées complètes. Et qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut faire des longs séjours dans le fjord du Saguenay. On prépare la nourriture, on offre les tentes. C'est tout le client se laisse gâter. Puis, on va finir jusqu'à Tadoussac. Donc, les gens aiment beaucoup finir à Tadoussac. Puis, si on a la chance, bien, on voit des baleines, des bélugas. Fait que c'est sur 3 jours, là, c'est assez rare qu'on n'en voit pas. Fait que ça, c'était une belle expédition qu'on peut faire en kayak.
Donc, encore une fois, on retrouve là, la volonté d'offrir vraiment des activités pour tous les types de personnes. Par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Après ça, une activité aussi qui est beaucoup appréciée par les Européens, les Québécois un peu moins parce qu'on a la chance d'en avoir souvent dans la famille, c'est le quatre roues, le quad, qu'eux appellent. Ça, c'est une activité qu'on offre aussi en initiation, demi-journée, journée complète. Ensuite, l'activité d'ours noir. En fin de journée, les Européens, on a beaucoup d'Allemands qui viennent faire cette activité-là. C'est surprenant. Puis c'est une activité qui est faite en français et en anglais. Puis on amène les gens voir les ours en pleine nature. Tout ce qu'on a à faire, c'est les appâter un petit peu. Mais sinon, ils viennent, je dirais que le taux d'observation est 90 %. Fait que les gens aiment beaucoup cette activité-là aussi. Ensuite, on a de la randonnée pédestre qui peut se faire sur nos terres et sur le parc national du Saguenay. On a une activité avec nos animaux, parce que, comme je te disais tout à l'heure, les animaux, c'est quand même le cœur de l'entreprise, qui est un contact privilégié avec les loups. On explique pourquoi qu'on a des loups arctiques, de où ils viennent. Ensuite, on va entrer dans l'enclos, puis on va faire caresser les loups par les personnes. Bon, ben, je peux me faire sentir? Oui, tu peux venir. Fais juste attention pas qu'ils sautent sur toi. Donc là, Yannick, si je ne me trompe pas, c'est le temps pour moi d'aller essayer une des activités, le quad. À quoi je peux m'attendre? Premièrement, ça va être avec un de mes guides qui s'appelle Derek. Il va t'emmener faire une belle randonnée. Tu vas commencer par faire une petite initiation, voir comment tu es à l'aise avec ton quad. Après ça, il va t'emmener en forêt pour ensuite aller voir un magnifique point de vue sur le fjord du Saguenay. Fait que ça devrait être une belle expérience pour toi avec des points de vue super bien. Bonjour Derek, donc c'est avec toi qu'on va faire du quad aujourd'hui. Explique-moi un petit peu là, la conduite. Je pense qu'il y a un cours que tu dois donner là, avant qu'on fasse l'activité. C'est sûr que le 4 roues comme ça, ce qu'on propose comme activité aujourd'hui, c'est vraiment une initiation. Donc ce qu'on veut, c'est donner un petit cours de conduite et s'assurer qu'à peu près n'importe qui soit capable donc de faire la sortie. On va commencer vraiment de la base et ensuite on va s'arranger pour que les gens puissent sortir. Et les sentiers qu'on va faire, bien, ça va être un petit peu en fonction de nos terrains qu'on a ici. Donc il y a du plat, il y a du vallonneux, on va aller voir des points de vue, se promener un petit peu. Donc le cours de conduite va essayer de couvrir un petit peu toutes ces possibilités-là. Chose à faire attention quand on ramasse du labrador comme ça, c'est que son gros voisin, la plante qui pousse toujours à côté, puis souvent en plus grande quantité que le tissu labrador, c'est le calmia rouge qu'on trouve ici, ou calmia feu rouge, dépendamment à qui on demande. Les feuilles ont la même forme. La grosse différence, dans le fond, c'est qu'ils n'ont pas le même petit poil en dessous et qu'ils sont poisons. Donc, c'est du kayak de mer, essentiellement, je crois que vous offrez ici à la Ferme 5 étoiles. Oui, c'est le kayak de mer parce que le fjord est considéré quand même un plan d'eau qui peut être assez difficile à naviguer avec les vents, avec les marées, avec les courants. Donc, ça prend quand même des kayaks de mer pour naviguer le fjord du Saguenay. Ça s'adresse à qui, cette activité-là? Bien, le kayak de mer s'adresse à tout le monde, des jeunes, des moins jeunes, j'ai même amené des gens des fois à mobilité réduite parce que c'est quand même stable. C'est des kayaks, tu n'as des deux places, donc c'est comme je dis, c'est large, ça fait que ça amène une stabilité.
Il y a l'initiation coucher de soleil le soir qui fait en sorte que ça devient souvent très, très calme. Fait que là, ça, c'est les petites familles. Durant la journée, quand c'est un peu plus houleux, bien là, ça va être des gens un peu plus grands. Des familles encore, mais avec des jeunes plus grands. Puis quand on part en forfait plusieurs jours, bien là, on a un âge limite de 12 ans pour parce qu'on va partir naviguer des journées complètes. Fait que, mais ça s'adresse à peu près à tout le monde. Il s'agit juste d'ajuster la durée de l'activité. Et ça peut être aussi un prétexte pour observer les mammifères marins. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Oui, dans le fjord, je te dirais qu'on peut voir des bélugas, parce qu'on a Baie-Sainte-Marguerite qui est tout près de chez nous. Baie-Sainte-Marguerite est un des plus beaux sanctuaires au monde pour observer le béluga de terrestre. Et si on a la chance, des fois aussi, il y a des petits rorquals qui vont rentrer dans le fjord du Saguenay qu'on a l'occasion d'observer là, de temps à autre. Parlez-moi un peu du déroulement de l'excursion là, lorsqu'on s'en va à Lance de Roche. Premièrement, je dois te préciser que dans le déroulement, parce que souvent les gens nous demandent, c'est-tu dangereux le kayak de mer? Et c'est sûr qu'il y a tout le temps une zone de risque, mais à n'importe quelle chose qu'on fait, il y a une zone de risque. Par contre, ce qu'on doit rassurer les gens, la Ferme 5 étoiles fait partie d'une association qui s'appelle Aventure Écotourisme Québec. Et cette association-là représente environ 125 membres au Québec. Et cette association-là a la mission de faire vivre une expérience avec un petit plus aux gens qui vont venir. L'encadrement se fait, comme je disais tout à l'heure, par des ratios guide-client, obligation d'avoir une trousse de premiers soins, obligation d'avoir un secouriste en région éloignée minimum 40 heures, plein de réglementations comme ça qui amènent une sécurité au client qui va sortir avec nous. Je vais avoir la chance de l'essayer ce soir. Je vais voir quoi? Premièrement, la vue. Un fjord, t'as des parois, t'es rentré dans un genre de U. C'est ce qui fait que la beauté première, c'est d'observer ces belles montagnes-là. Ensuite, quand on dit initiation coucher de soleil, c'est que c'est un des endroits les plus belles, selon moi, au Québec pour observer coucher de soleil. Parce que selon la configuration où est-ce que Lance de Roche est placée, bien, le soleil se couche dans le fjord. Fait que tu vas voir, tu vas pouvoir l'observer, c'est de toute beauté. Si vous souhaitez prendre le large et découvrir le parc national du fjord du Saguenay, la ferme 5 étoiles est toute désignée pour vous accueillir. Venez voir ces animaux et vivre les différentes activités qui sont offertes dans la région de Sacré-Cœur qui mettent en valeur les beautés naturelles du coin. Amusez-vous bien!